Hey, voilà, on est de retour pour cette deuxième game, et peut-être la dernière de la grande finale de cette 32e édition de la Beat Cup qui va opposer les Dirty 12 Blazy, qui viennent de perdre la première manche, face aux Never Out Spirit, toujours invaincus, les vieux de la vieille, les grands méchants loups, on va dire, les destructeurs. Les grands méchants loups. C'est ça, les destructeurs de l'éternel. Qui décide de continuer de mettre des grosses quéquettes partout où ils se déplacent. Donc voilà, on va voir comment ça se passait. Là, ils n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent arracher une troisième game. Sinon, ce sera la fin des haricots. Alors, Nikkei, pour l'instant, pas de drop. Je pense que vous allez avoir du drop dès qu'il y aura la moindre action. Malheureusement, je ne veux pas porter malheur là-dessus, mais je pense bien que ce sera ça. En espérant que ça ne. Ça, en espérant que je dise de la merde. Voilà, je vous le dis. Je l'espère de tout mon cœur. Mais Dailymotion nous a habitués à du drop. Alors, toi tu es là, toi tu es ici, et toi tu es là, c'est bon. Donc là, pas le droit à l'erreur pour les Dirty 12 Blazy, emmené par Chloris. Il y a Nero Nerone qui joue sous le compte de Creation, Candilama et Akliar, ainsi que Crack Slol qui sera donc support. Alors là, cette fois-ci, j'espère qu'on va pas avoir de vieux swaps de lane Tiger Horse, quoi, comme à l'ancienne. Pour que ça marche bien, quoi, parce que les swaps de lane vraiment un peu pénible à ces modes de swap de lane. Moi je swap, tu swap. Donc là en fait, tout à l'heure ils avaient juste vu qu'ils avaient swappé de lane, donc ils ont essayé de les anticiper et ils leur ont mis la bite. Ils les ont un petit peu counter brain et ça a été très bien joué. Attention à la cage qui passera pas. Ikreshan qui avait utilisé un tir mystique pour s'assurer qu'il y ait, enfin pour vérifier qu'il y ait du monde. Et il a eu bien raison de faire attention parce que derrière on avait préparé la cage et rien s'est fait toucher par le petit Mystic Shot et va rentrer au Berkai sans trop de problèmes là-dessus. Bon alors, t'épouse, qu'en penses-tu toi de ces compositions? Je trouve que c'est grosse phase de lane pour cette fois-ci, ça va être pour les raids, genre avec Akliar, avec son Darius, alors, avec t'avais dit la Ezreal. même chose tout à l'heure, ça va être l'équipe des Dirty 12 Blazy, phase non, de mais justement, là, je pense plus que là, ils vont gagner. Enfin, la première game, je pensais que les Dirty 12 Blazy allaient gagner, et là, celle-ci, moi, je dirais que c'est les autres. Ah ouais, d'accord. Ouais. Moi, je t'avouerai que j'ai un peu peur pour les Dirty 12 Blazy, parce que là, la même avec leur composition qui est pas trop mal. Enfin, ils ont quand même des persos assez violents en face. Donc, je suis pas rassuré, mais Meiko a pu récupérer son Varus en plus qui n'a pas été ban cette fois-ci. Donc ouais, je ne suis pas rassuré pour eux. Après, voilà, ils jouent très bien des deux côtés. Mais c'est vrai, tout à l'heure, t'avais dit qu'en face de lane, ils s'en sortiraient mieux du côté des. Tiens, le Varus qui a laissé. Ils s'en étaient mieux sortis, hein, puisqu'on avait Nero qui, pour moi, était devant hein, sur la botte, enfin, la botte sur la top lane. Donc ouais, c'était pas faux. Attention, Drodid là qui a passé cher. C'est marrant, ils ont laissé le gros golem à Drodid. Bah parce qu'en fait il a commencé au niveau des golems mais ils ont récupéré quand même une XP avec. Donc du coup il a commencé au golem, ils l'aident, ils le font rapidement. Ensuite ils le font en pool au niveau du red buff. Ah oui, je dis pas parce que souvent je vois qu'ils start au res, ouais, genre, ils font ça. Et généralement le mid aide au niveau des vres, au niveau des vres, et les autres font ah, les golems. Ah ça dépend, des fois ils font comme ça. Ça dépend vraiment de dans quel style tu es. Mais sinon on peut voir les deux, ouais c'est pas faux. Là d'ailleurs on a pu voir que le Darius avait récupéré les wolves. Enfin le Darius, le Kha'Zix a récupéré les wolves. Et je sais pas si Darius avait récupéré, ouais il avait récupéré les Vrest aussi puisqu'il vient de repop maintenant. Pour avoir l'avantage, enfin l'avantage d'avoir un petit peu d'XP d'avance. Donc là je crois qu'il doit en avoir pas beaucoup. Alors, en sachant que les sbires il a un mêlée de plus à récupérer. Donc ouais il a plutôt un distance à récupérer de plus. Donc ouais il est légèrement en avance Darius, puisque les Vrest donnent un petit peu plus d'XP. Donc voilà, on est sur du classique pour l'instant. Le grab qui passera pas de la part de Summerzan, là qui a bien été anticipé de la part des collègues. Et là tu du Kassa qui va continuer de faire tranquillement. On est à 14 pour 15 pour l'instant. Rien de bien méchant. C'est assez serré. Au mid c'est pareil. Et botlane par contre on a Meiko qui est un petit peu devant Super Nero. Hein, qu'est-ce qui lui arrive à Super Nero qui, Il joue pas son Draventard, donc du coup il est un peu perdu. Draventard. Et en face il s'est pas mal régé, on a le fight qui est pris, il va jump. Oh. Candilama qui a essayé de choper, attention le grab qui a passé, Kraxol qui va se faire choper. Oh le bum derrière, on a pris un coup de tourelle. Bon ça il a pris assez cher quand même sur le coup de tourelle à Summerzor. Mais plus de part que de mal, et derrière on a plus de mana pour Super Nero. Nero qui va déjà galérer hein, parce qu'il a sa lame de Doran, il a déjà plus de vie. Et il va perdre ton of farm quoi. Candilama qui s'est fait un peu. Oh il va le récupérer, peut-être le first blood. Oh le first blood après le flash. On a pu voir, il a flashé au moment où il a pris le dernier tick. Ça c'est infâme, il perd son double buff, ouais. Il perd son ça, flash. Ça c'est un bug ça pour toi. Alors ça pour moi, pour une auto-attaque,
Distance, non. Alors pour là, dans ce cas-là, je trouve ça un peu bizarre. Ouais, parce qu'en gros, tu frappes, mais le mec, s'il a, il a flash, bah, la réalité, on va dire, veut que bah, tu tapes dans le vide en fait. Donc pour moi, si ça, j'aime pas trop. Par contre, pour un mec qui est à distance, si t'envoies genre un projectile et qui flash, bah, bien sûr, tu seras touché. Heureusement, la Summerzor qui vient de niquer la game, qui va tomber. Parce que bah, voilà, tu dev pas comme ça une Janna. Le flash des deux côtés et Kraxlol qui s'en sort très bien. Bien joué la Janna qui vient de mettre la bite à Summerzor. Un génie de. Et en plus, le Varus qui prend cher, donc il va devoir back tout de suite. Ouais, le Varus là qui est pas dans la super super forme pour l'instant. Enfin, si, qui a bien mis la pression à Nero. Nero qui a du back et qui était pas très bien. Nero dès le début qui avait seulement sa Duran Blade, qui n'avait pas de sustain sur la lane, qui avait pris des trades un peu trop compliqués pour lui. Donc c'était plus que difficile de remonter au niveau de sa vie. Il y a que le mid qui est en mode AFK farming pour l'instant. Donc voilà, c'est vrai que moi j'aime pas trop ce bug du flash et tu te fais toucher quand même. À part si c'est vraiment une attaque à distance, quoi. Si tu le mec t'a fait un spell que t'as flash, bah t'es obligé de le prendre puisqu'il t'a focus, quoi. Ça te suit, c'est normal. Donc voilà. Après chacun son école. Mais moi je trouve ça un peu abusé. Donc là il est bien déçu. Super Candylama puisqu'il n'a plus rien, il n'a plus de flash, il n'a plus de debuff, il n'a plus rien. Alors que Jungler a vu tout ça reset votre vie, donc c'est plutôt bon. Il lance des potions à tout ça là, il a 30 écrits pour 23, il est devant Akliar qui essaie de lui mettre la pression, qui arrive pas à farm des masses, et en plus ça freeze la lane comme un gros chien maigre. Et derrière on pourrait avoir peut-être Roddy de venir gang, venir l'embêter juste après. Ça pourrait être pas mal même s'il a posé une ward. Pour l'instant il est plutôt tranquille, donc ça bouge pas des masses. Au niveau des stuff, qu'est-ce qu'on a récupéré au mid? J'avais pas fait attention hein. Oula, le grab qui a passé avec tout ça, voilà, qui se heal tout de suite grâce au Z, vraiment un heal quand même assez conséquent là-dessus. Donc oui, en mid il était parti sur une bottle 3 potions, on a pris un champéric pour la luxe. Là il s'en va parce qu'il a pas envie de se faire choper le petit Aetutugasa qui a son flash, qui a son ignite. Et du côté d'Akliar, on a toujours son flash et son ignite également, mais pas encore son niveau 6. Donc plus de peur que de mal, rien de bien méchant. Mais attention, le grab qui a passé, on utilise la lanterne, Krax qui se fait choper là, qui va prendre assez cher. La tornade juste magnifique, il va les avoir tous, malheureusement ça ne suffira pas, je pense pas. Oh, il va prendre un coup, voilà, Drawdit qui le récupère grâce au red buff. Très très bien joué. La tornade qui était pas mal. Ouais, c'était juste hein, pour Drawdit là, c'est vraiment le red buff qui a. C'est le dot qui a eu raison de la Janna. Donc là, le Xin qui prend 2 kills, 2-0-0, qui est très très bien. Qui est très très bien par rapport à. Candylama, je pense que le Xin là il va faire mal sur toutes les lignes maintenant. Ouais, le Xin Zhao là qui va peut-être se montrer un peu plus agressif un petit peu partout. Attention, bah là on commence à mettre un petit peu le pénis sucré des familles. Notre ami Nero qui a pris très cher, c'est pareil le gant comme Incroïs qui est pas très bien, qui a claqué tout de suite sa barrière pour s'en sortir. On a Candylama qui va essayer de faire du 1v2. Il va s'en sortir également avec sa super Sejuani. Ouais, c'était vraiment tendu là-dessus. Le coup de Torgan qui arrive à point pour sauver Croix qui s'en sort, bah, ça avait plus de barrière au final. La Lux qui n'a plus de barrière également. Donc voilà, du barrière pour barrière, on va dire. Ça remet la balle un petit peu au centre. Donc tout ira bien par la suite. Alors on va back et on va aller chercher un petit peu de stuff. Est-ce qu'il y a une fois une calice? Voilà, la calice de Eriazer. Et là, il y a qu'un qui a Gold 5 d'écart, mais j'ai un petit peu moins. Mais j'ai un peu peur quand je vois Darius, il commence pas très bien. Il est déjà out farm de 20. La Orianna ça va, c'est vite, c'est pas énorme. Ouais, là-haut, et le Ezreal aussi qui est mal, plus le jungler qui est derrière aussi le Zinder. Je pense que c'est tous un petit peu derrière là. Ouais, top lane aussi, il est un petit peu derrière. Ouais, ils sont tous après, un petit peu derrière. Après il joue Darius, donc bon, il pourra farmer très rapidement et revenir facilement. Mais ouais, surtout si Kha'Zix ensuite arrive à faire de bonnes décales et aller mettre la pression sur les autres lanes. Si Kha'Zix arrive à se feed, surtout sur la tute, ça risque d'aller très très vite et défoncer Meiko en bas qui met une grosse pression sur le pauvre petit Ezreal de Nero. Nero qui s'en sort déjà avec 20 creeps de retard, donc voilà, heureusement que la lane est push, il va farmer ce tour et essayer de récupérer tout ça. Mais bon, c'est pas forcément évident, attention les gars qui a passé là sur l'étude Kassa qui est toujours full life, ils sont pas les reins. Attention, il prend très cher, on a un ulti qui est préparé, l'ulti qui a été claqué, l'ignite des deux côtés. Akliar qui flash pour s'en sortir, le jump pour aller récupérer, l'ulti qui a été mis, l'ignite derrière, il flash pour le récupérer, il sait qu'il va crever. Et donc le trade kill qui a été récupéré top lane. Bien joué, alors là vraiment c'est allé très vite. Pourquoi il a flash à l'étude comme ça? Parce qu'il s'est fait utile, il a pris le passif plus l'ignite. Là c'était sûr qu'il crevait, donc il a préféré flash in, prendre le kill pour pas avoir de regrets. Et voilà, au final un trade kill, plus de summoner des deux côtés, la balle est au centre encore une fois. Bien joué, bien joué.
Il aurait pu ne pas mourir s'il était mort. Nero sur le chat. Sûr qu'il était mort parce que en gros il avait tout stacké. Il avait mis l'ultimate, donc les dégâts bruts et l'ignite. Donc il prenait une dot monstrueuse là. L'ami Ayatu, tout cas ça, c'était sûr qu'il était mort. Je pense que là il avait 5 stacks du passif de Darius, comme dit Wolf. Tu peux pas t'en sortir, ça fait beaucoup trop de dégâts. C'est des dégâts magiques en plus. Voilà, c'est un fameux là. Attention, ce vengeur qui prend une petite aggro là. Qui a posé une ward derrière au cas où. Une pick ward qui vient d'être posée de la part de Krax pour des wards tout de suite derrière. C'est bien fait. Et là on peut voir la race incessante de Meiko sur Nero. Nero qui est plus trop dans la game. Ouais, il est plus très bien là. Ouais, d'habitude on le voit tout le temps gagner sa lane quand il prend Draven, il est vraiment à l'aise, mais là contre Varus il a vraiment du mal à bah, en fait j'ai envie de te dire, c'est pas une question que ce soit que Varus, c'est surtout qu'il y a en Thresh, c'est qu'avoir en Thresh, ouais. Ça c'est vraiment infâme d'avoir laissé Thresh une fois de plus, je comprends pas, parce que quand t'es en carry AD c'est horrible, à la limite s'il y a un Blitzcrank je me dis ouais pourquoi pas, si t'as des supports très agressifs comme Alistar, comme Leona, le Thresh c'est fort, mais il y a quand même moyen de pouvoir temporiser les fights et d'aider, etc. Mais là avec Janna, mais no way quoi, jamais de la vie il va pouvoir aider. Voilà, l'ulti KDK qui a part sur Vendor, il va cliquer sur la lanterne, il les a un petit peu près, ils ont un joli ulti la part de Candylama, malheureusement ça touchera pas tout le monde et ça ne passera pas le gang qui est un petit peu avorté. Allez, attention au Goïna, Akiar qui a un petit peu de la masse, qui va se faire choper par le jungler ouais. Et Akiar qui va tomber sous les coups de Ayatu, tout cas ça, et vous voyez les dégâts déjà juste du passif, regardez Ayatu, tout cas ça, tout ce qu'il a perdu de vie juste avec le passif, donc oui, plus l'ignite tout à l'heure, il était vraiment mort, il a bien fait de flash agressif et de récupérer le kill. Et là il va pusher la lane, on est à 4-2, 14 Kaggle 1 pour 12 Kaggle 3. Et j'ai l'impression que les prédictions de Super Taipouz s'avèrent exactes pour l'instant. Ouais bah là il y a que 2 cas d'écart, mais j'ai l'impression que ça va snowball petit à petit. Ils vont continuer à prendre l'avantage petit à petit et ça va être la misère quoi. Ouais, ça va être un peu la misère. Je te le cache pas que je suis pas rassuré pour eux. Surtout que c'est pas comme s'il y avait qu'une lane qui était derrière ou là ils sont vraiment, enfin bot ils sont font complètement dominer, oh là là. Le mid c'est pareil, la Croix, enfin c'est pas qu'il se fait dominer Croix, mais c'est qu'il se fait vraiment malmener. Attention, il va peut-être se faire choper par l'ulti de Roddy là qui a fait un petit peu le fou et qui va tomber l'ulti dans le tas sur Croix, bah ça ne passera pas. Et oh le double kill de Croix qui s'est fait prendre un petit peu pour le jambon là. Voilà, là c'était le throw de la game. Parce que là du coup bah ils mettent super bien Croix et c'est un petit throw parce que finalement, là, maintenant le mid va dominer la Lux. Et du coup, ben. Enfin, je pense que le mid. Enfin, que la Orianna va dominer la Lux. Du coup, ben, ça fait une lane qui est plus très bien. Ouais, Or, Kao, c'était bien parti. C'est surtout que la Draudit s'est senti pousser des elfes fois 20 000. Ils ont oublié qu'il avait sa barrière. Ils ont oublié qu'il avait un ulti qui peut te ramener en plus dessus. Enfin, bref, là, il a fait vraiment une grosse connerie. La Lux, il n'a pas fait suffisamment de dégâts. Qui s'est fait défoncer la gueule aussi. Bon, voilà, c'est bien dommage. Flash. Donc claqué des summoners aussi en face, donc non. Bah la Lux ça a rien claqué par contre, mais du côté des Dravdun, on a claqué son flash, on l'a perdu un petit peu bêtement là. Puisqu'on est mort, attention, Candylama qui revient sur ses entrefaits, il a plus d'ulti par contre, ça essaye de temporiser un petit peu. Neocrave qui prend très cher, Meiko qui va tomber sous les coups de Nelonelonair. Ça c'est bien joué, ça c'est très bien joué. Et ça lui et ça revient, hein, ça revient petit à petit là. Ouais, ça revient comme il faut là, de la part des joueurs. Tsukasa qui a combien là-haut? Ouais, 88. Tu veux qu'on check l'œil de Gold d'écart peut-être? Ça pourrait être pas mal aussi entre les. Ouais, je me demande. Bon, là-haut, il a 800 gold d'avance, un peu plus de 800 gold d'avance. Mais là, ça va être équilibré avec le Drake. Sur la bot lane, on est à 3300 pour 3000. Mid lane, 3800 pour 4400. La Croix qui vient devant en jungle. 2007, oh, il est petit beaucoup trop tard. 2007 pour 3002. En fait ils sont tous devant du côté des line-up piffés. Il n'y a que la mid lane qui est devant. Ensuite là le Drake leur permet de repasser globalement en généralité légèrement en avance de 400 gold. Mais sinon si on voit en face de lane bah, ils sont pas bien quoi, ils sont pas très bien. Ouais ils sont pas très bien, mais bon maintenant je pense que là ils se sont bien rattrapés. Alors, en 2 minutes ils ont rectifié le tir quoi, avec 3 kills, 2 kills au mid, 1 kill bot lane plus le Drake là ouais. Ils sont au gold, ils sont même devant, comme tu l'as dit, il y a 600 gold d'avance, c'est déjà pas mal. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est pas ça qui fait la diff du tout. Mais comparé à avant, ils avaient 2-3k gold d'écart, ce qui était beaucoup à 10 minutes de jeu. Là maintenant, ben, c'est bon quoi, ils se sentent à nouveau bien, je pense. Ouais, c'est en train de se. Et comme je dis, la Orianna, je pense que là, elle est vraiment très très bien et ça va être, on va voir. Ouais, ça va être tendu. Ça va être tendu à Hydraudid. Qu'est-ce qu'il nous fait là de beau le petit gars? Il va essayer de remonter au niveau des wolves. Allez, continue de farmer. Il a plutôt fait un bon début de game, Hydraudid. Il a récupéré son esprit d'ancien golem. Là où l'esprit d'ancien lézard qui a été récupéré avec Ayatu Tsukasa sur son. Comment ça s'appelle? Super Kha'Zix.
pour là, bon, forcément l'item est un petit peu cheaté, donc tout le monde le fait. Et en face, Anjogon a pris l'ancien golem aussi pour la Sejuani. Sejuani qui a été un peu moins présente au début, mais ça y est, là qui se réveille un petit peu. Donc tout va bien. Tout va bien pour eux. Et botlane, Meiko qui malheureusement est tombé. Mais c'est pas grave parce qu'au niveau du farm, il est bien devant son vis-à-vis, un héros qui est un petit peu derrière. Et là, il commence à freeze la lane. Donc pour leur mettre la pression, attention, ça ping beaucoup sur cette botte là, ils l'ont vu passer là, ils l'ont vu passer. Ils vont passer. Le dive, ils vont dive. Ouais mais ils l'ont vu passer, donc ça va être compliqué là, je sais pas ce qu'ils font du côté des bleus là, surtout s'ils l'ont vu. Ils ont pas vu par contre la mid lane qui est partie, donc là ça va graisser un petit peu, allez ça va y aller. Non ils ont pas vu apparemment, ils savaient pas. Ouais, attention, oh là là, ça va faire un le combo, les dégâts monstrueux. Et c'est récupéré et par Nero. En plus oh avec là, la... bah là le combo là, c'est était magnifique là, très très bien joué. Qui a permis de récupérer tout le monde, ils ont claqué quand même beaucoup d'ulti. Donc je crois que. Et comme quoi ils avaient très mal commencé et là ils s'en sortent bien, hein. Ils sont bien, ils commencent à, à se mettre en place là. Petit à petit ils ont rattrapé le retard qu'ils avaient, en plus ils commencent à avoir un petit peu d'avance. Ils ont la tour, ils ont. Ouais, ils commencent à être bien. Attention, mid, un petit fight qui va être engagé là, Crois qui est plutôt. Alors on l'avait dit, Lux qui va flash. Lux qui va se faire dominer. Ouais, qui va se faire dominer, qui a pris très cher sur la tue du Kassa, qui se fait choper, qui va flash shot pour s'en sortir. Akliar qui va l'avoir et l'ignite au dernier moment. Donc là, il va tomber en plus du passif. Forcément, encore un trade kill sur cette top lane. Puisque là, il a pris deux coups de tourelle quand même à Yatus du Kassa. Et donc, on a plus de summoner. Ah non, Akliar a encore son flash. Donc là, il va falloir faire attention. Il a encore son flash, le petit bonhomme. Face à Yatus du Kassa. Donc du 3-2 pour 2-3 là-haut. Léger avantage pour Yatus du Kassa qui tout à l'heure s'est fait aider par le jungler, donc a pu récupérer le kill en 2v1. Voilà, par contre Crois qui voit... vraiment se met bien quoi. Ouais, on voit bien que la Lux a du mal à rentrer au niveau de ses sorts. C'est pas évident. La BOTRK qui vient. Alors on a fait une BOTRK avec Darius en first item. C'est plutôt oh là là, les dégâts. Ouais, les dégâts là. Erias qui va clairement se faire un peu malmener. Crois surtout qui commence à avoir beaucoup de PV là maintenant. C'est pas évident pour lui et il joue bien avec sa Orianna. Donc là il a zone depuis tout à l'heure. L'ulti qui va passer, les dégâts, l'ignite peut-être juste après. Et voilà, c'est terminé. Non, il a claqué là, la cage comme il fallait. Il va le choper, il a plus de vie. Oh, Crois qui est déçu. Oh, Crois qui est déçu. Non, il est pas. Oh là 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 là. Oh, 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 the plays. Et là je pense qu'il a fait une erreur, Erias, c'est de mettre son ulti. Je pense qu'il aurait pas dû ulti là-dessus. Parce que ça le rend hyper vulnérable, sachant qu'il avait qu'un coup à prendre pour tomber. Et donc du 1 pour 1, c'était un petit peu bizarre ce qui s'est passé. Mais bon, c'est pas grave, l'ulti de la part de Krax qui vient niquer la game. Puisque Nero n'a pas pu mettre son ulti. L'exhaust qui a été mis de la part des deux supports derrière, il va se faire choper par l'ulti. Attention, attention, ça passe le grab de la part de Thresh. Thresh on l'a dit, c'est un peu trop fort justement pour ça. Et ça a été bien joué. Le trade qui a été pris des deux côtés. Il n'y a pas de gros avantages dans le trade. Non, gros avantage, là par contre. C'est dommage pour Krax, quoi, comme Krax, tu l'as dit, parce que je pense que sinon c'était, le teamfight était gagné. Peut-être pas de kill, mais du moins ils auraient back. Ouais, ils auraient un back plutôt, parce que là Krax en fait a sauvé, en tout cas réduit les dégâts. Ça refait encore, la BOTRK qui est passée, le grab c'est bien fait de la part de Akliar qui essaie de mettre la pression, le flash agressif ulti. Voilà. Boum! C'est terminé, Akliar qui prend l'avantage sur cette top lane. Avec super Darius Osama et qui avait encore son flash, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le trade qu'il n'avait pas utilisé. Ouais. Et donc là il s'en sort très très bien. Et l'équipe de Nero qui est devant légèrement là, 2k gold d'avance. Le grab qui va peut-être passer, le grab qui passera pas, c'est un sort qui a plus beaucoup de vie, mais qui va s'en sortir. Drodi qui flash shot après pour s'en sortir. Oh, c'est très très dur. Très très dur. On a Crois qui arrive. L'ulti une fois de plus de super Ezreal. Ezreal qui, il faut savoir qu'Ezreal récupère son ulti très rapidement. Parce qu'à chaque coup vous mettez le Mystic Shot, le tir mystique, donc le Q, et bien vous récupérez une seconde de cooldown sur tous vos sorts. Et l'outil en fait partie forcément. Donc, Et Crois qui a fait vraiment la diff hein, avec ses décales. Ah ouais, qui décale beaucoup là. À chaque fois il décale et ça fait la diff, tandis que la Lux reste au mid en mode FK farm. Mais... Ouais, la Lux est un peu devant en farm, mais même pas tant que ça finalement. Pour quelqu'un qui a pas décalé, elle va se faire tuer. Ah bah là, elle va se faire tuer clairement, voilà, et Crois qui récupère encore le kill. Alors là, c'est un film de cul qui est en train de se dérouler devant nos yeux, les amis. Oui, parce que Crois, en fait, la Lux là, elle est en mode AFK farm, mais le problème c'est qu'elle a que 15 farms d'avance, parce que c'est que dalle pour de l'AFK farm. Et Crois, il la décale 2 ou 3 fois, je pense déjà. Ouais, Crois qui a 4-1-3, donc il a 4 kills, 3 assists, quoi, c'est énorme. Donc je crois qu'il a décalé 3 fois. Et ça va tenter un Nashor à 18 minutes de jeu, les amis, pour cette deuxième game de la finale. Oh, c'est monstrueux là ce qu'ils nous font. L'équipe de Nero. Il va être fait totalement fou parce que les autres s'y attendent, mais juste pas. Ils s'y attendent zéro. Le total sneaky Nashor. Très très bien joué. Très beau move de la part des rouges. En plus, ils vont voir le Ezreal au mid, le carry AD. Ils vont dire jamais ils vont faire le Nashor. Oh là 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 là. Le Ezreal, mais non, que dalle. Alors là, il va y avoir le Kha'Zix qui arrive.
Ouais, non, Kha'Zix ça arrivera même pas parce que lui il est juste en train de pocher, de récupérer tout ça. Et là ils ont vu Ezreal au mid, ils ont dit ah merde, ouais. Il a un Nashor. Il vient de faire un Nashor, attention là, Akliar qui va fight face à Edge, du Gassal, il va peut-être le récupérer. Akliar qui est un petit peu dans la menace, qui va tomber, bien joué. D'après tout ça, là ils sont un peu commit là, par contre il a fait un peu le con, surtout qu'il n'avait plus de summoner, tout à l'heure il les a utilisés, à part les gnomes. Du Gassal était bien bien chaud là-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Attention, l'ulti qui a été claqué, le baron en tout cas qui a été fait très rapidement, c'était très très bien joué. De la part des Dirty Double Blaze. Ils ont perdu presque 3 tours. Ouais, après ils ont perdu des tours. Ils ont perdu une tour top, mais derrière ça va quoi. La tour bot qui est pas encore tombée, la tour mid qui n'est pas encore tombée aussi, et le dragon, une tour et un Drake, voilà, sur ça, et un kill. Mais bon, le buff baron est plus important, je trouve, là-dessus à ce niveau-là. Ça donne des gold, beaucoup de gold à toute l'équipe. Donc c'est pas trop mal ce qu'ils ont fait. Surtout, ça permet de, après un mauvais fight, ils peuvent pas faire le baron, puisque il n'y est plus quoi, tout simplement. Donc le sneaky baron qui a été quand même assez intéressant au niveau de. Faudra voir le Kha'Zix en teamfight ce qu'il va donner. Ouais. Par contre, au niveau des golds. Ça va être quand même beaucoup plus intéressant que le Darius en teamfight. Ouais, ouais. Et par contre, le problème c'est qu'au niveau des golds, ça n'a pas été si rentable pour le baron. Je pense que pour le buff c'est bien, pour certains jeux c'est bien. Mais au niveau des golds, ils ont perdu tellement de choses derrière que vous pouvez voir qu'il y a très peu d'écart. Hein. Maintenant il y a 700 golds d'écart. Donc c'est pas évident. Arias, alors qu'il y avait quasiment 3K tout à l'heure. Arias qui vient de récupérer le bleu, Arias qui tire un peu la gueule. Ce soir c'était pas ce soir. Darius, Beoterka, c'est quoi en fait? La Beoterka c'est vraiment pour la phase de lane contre Kha'Zix? Non, il a fait Beoterka comme ça, c'est pas dégueulasse, c'est Beoterka. Oui, oui, mais je veux dire, en phase de lane, c'est quand même bien contre Kha'Zix. Ouais, quand on a pu le voir qu'il a tué grâce à ça tout à l'heure, il a plus régène, ouais. Etc. Et puis ça donne de la vitesse d'attaque avec Darius qui a. Enfin, moi je trouve que Beoterka avec Darius, c'est pas fou, mais c'est pas trop mal. Il faudrait qu'il fasse un Hydra, au moins il pourrait. S'il veut vraiment speed push, dépush comme un gros chien, il fait un Hydra. Avec la Beoterka, s'il se fait engager, il a beaucoup de propriétés actives à utiliser. Il fait une Sunfire, voilà. Ouais, là je pense qu'il va faire une Sunfire. Quoique. Ouais, il va. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Il a fait de l'armure aussi. On va voir sur quoi il part. Mais c'est pas forcément une Sunfire. Hein. C'est pas obligé. Peut-être une Warden Mail après. Peut-être qu'il va faire rendu 1, on sait pas. Mais il a pas encore de PV donc c'est pour ça. Allez, tu tout cas ça qui va jump out pour s'en sortir. Il va se faire ulti peut-être. Ulti qui va passer. Non, oui, non. Candilama qui se fait choper. Qui sait qui a ulti. Qui va pas s'en sortir. Tu tout cas ça qui récupère le kill. Là, ils ont été grid par contre. Ils ont ouais, un peu, très grid. Ils ont un peu niqué la game. Attention, Androdic. Surtout qu'ils sont parents. Ils disent en abarant. Donc ils veulent faire les fous. Et c'est pas bon, on a Super Kishan là, qui est en train de se régénérer. Ils ont perdu deux buffs barons, un sur le Candilama et l'autre sur. De Arias qui permet donc de dépush et d'éviter que derrière la tour prenne des dégâts. Ouais, bah là je pense que c'est à cause de ça, Drodid. Attention qu'il va peut-être se faire choper. Oh, il a bien esquivé Drodid là, il a serré le mur pour pas se prendre les dégâts. Et le solo de la part de la Orianna, surtout que comme elle est bien feed maintenant, elle fait bien des dégâts. Ah ouais, elle fait super mal. Elle pique énormément quoi. Donc 8, 12 et 30 Kagol 4 à 31 Kagol 8. Honnêtement, je t'avouerai que je suis pas super rassuré quand même pour les rouges. Je trouve qu'ils ont fait de très très beaux moves alors que la game était vraiment mal entamée. Mais ils ont pas pour autant gagné quoi. Ça c'est sûr et certain. Je pense qu'ils ont plutôt intérêt à se dépêcher aussi s'ils veulent gagner. Ouais, parce que plus ça va aller, si la Lux en late ça va être énorme. Ils ont quand même Sejuani, Orianna et ça c'est vraiment fort comme composition. Et moi j'ai peur parce que Meiko certes il a pas récupéré de kill, par contre bon, il a 190 creep, il a 30 creep de plus que l'adversaire. Même si c'est, je pense qu'Ezreal est mieux là dessus mais Meiko après il va pas vraiment rigoler avec le Varus. Donc on va voir au niveau des placements. Par contre Nero qui certes au début a eu beaucoup de mal, mais là il est à 3-0 hein. Il est bien comme il faut, il fait son stuff bleu donc ça se passe pas trop mal. Il a été pas mal aidé par Candilama aussi. Ouais, c'est pas faux. Les ganks et Kroris aussi. Il est venu deux fois, Kroris est venu deux fois aussi, un pour dive et une autre fois pour récupérer les kills. Donc ouais, c'était vraiment très bien fait. Bon, je trouve que Kroris est un bon joueur de mine, vraiment il est assez vif, il est rapide. Bon, c'est pas pour être les diamants, mais Sanoriana est plutôt fort. Voilà. Alors oui, peut-être une Sunfire donc pour l'ami Darius puisqu'il a récupéré enfin la Giant Belt, la ceinture. Ouais, là c'est presque sûr. Ouais. Ah, je pense que là il y a un bon choix hein, pour des push, pour push tout simplement et pour l'armor aussi contre le Kha'Zix quoi, qui fait quand même de gros dommages en AD. Donc ouais, je pense que la Sunfire c'est une bonne solution. Ça le rendra un peu plus tanky et ça va faire des dégâts aussi sur la durée. C'est pas mal moi. Je trouve que c'est un bon choix. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Donc ouais bah écoute on va voir mais pour les teamfights je sais pas si Darius va être Darius c'est bien mais ce qu'il y a c'est qu'en teamfight ça reste un peu plus limité etc. Parce qu'il arrive à bien sniper et à reset à refresh à chaque fois son ulti là, ah si il reset son ulti là ça devient très fort ouais
Donc, ça va faire, mais c'est comme Maître Yi, hein. Enfin, non, c'est pas comme Maître Yi, mais je veux dire, le Maître Yi aussi, s'il ne reset pas son. Ouais, ouais, son UT, bah c'est. Qu'Alpha, là, son Alpha Strike, s'il ne reset pas, c'est très limité, quoi. Bah ouais, puis là, que c'est ça, pareil, Darius, c'est pareil, s'il ne reset pas son ulti, bah, c'est très limité aussi, quoi. Ouais, ok. Donc, on va voir. Ah là là, on va voir cette pression qu'ils ont, parce que là les rouges, s'ils veulent gagner la finale, il faut moins qu'ils gagnent cette game pour arracher une troisième game juste après. Et donc là c'est quand même assez serré mine de rien entre les deux équipes. 8-12 à 24 minutes de jeu, 33 Kagol 1 à 35 Kagol 7. Notre ami Kha'Zix qui est plutôt bien dans la game à 5-3, qui a fait la Swisper, l'esprit de l'ancien lézard, qui a inventé la Muramana, qui fait un stuff bleu une fois de plus. Donc on est sur du classique du côté du Ezreal, on l'avait dit, il était plutôt bien dans sa game aussi. Meiko qui va faire IE, qui était en train de continuer de farmer tranquillement depuis tout à l'heure. Akiar là-haut qui va très certainement back, je ne sais pas, non, oui, non. Il attend, il bouge pas des masses, ouais, il va back. Et elle récupère un petit peu de stuff également. Alors, est-ce qu'ils vont essayer d'enfoncer le mid là? Attends, qu'il y a que la Sejuani qui est là. Ça pourrait être pas mal, elle est niveau 11. Là, ils ont récupéré pas mal de levels. Summerzor aussi, ils ont un Thresh. Il faut pas oublier qu'un Thresh, ça peut aussi retourner des games. Ça peut faire pas mal de belles choses. Thresh, c'est un perso vraiment très fort. Un peu comme Blitz, mais bon, on va dire un peu mieux quoi. Qui se balade plutôt pas mal. Mais pour l'instant, on est dans une séance de farming intentionnelle de la part de tous les joueurs qui sont en train de d'étouffer leur stuff depuis tout à l'heure. Voilà les tours qui sont récupérés, botlane, la tour qui a été récupérée par les sbires, ça va permettre de souffler un petit peu aussi au bleu. Vous voyez 36 Kagol, il n'y a que 1000 gold d'écart entre les deux équipes à 25 minutes de jeu. Le raid qui vient d'être récupéré par Meiko, on va peut-être essayer de forcer un fight quelque part, je sais pas, là ils sont vus par la ward, des wards, beaucoup de wards qui sont posés. Kandilama qui est peut-être engagé, on n'a pas là aussi, oh, là Oriana qui est là, qui essaie de zoner. Ouf. Si le Kha'Zix se fait choper. Ouais, là ça va être très très dur. Si Kha'Zix se fait choper. En plus, il est niveau 15. Il est plutôt chaud dans la game. Niveau 16 pour le mid. Niveau 15 pour Arias, hein, qui a un niveau de retard. Allez, elle zone bien là. Elle zone bien là. Oriana, ils vont peut-être essayer de récupérer ce Drake. Le Drake n'a pas été récupéré malheureusement. Et Jutikasa qui a fait une petite erreur. Qui va peut-être se faire choper derrière par Akia. Il essaye de temporiser. Il va flash out pour s'en sortir. C'est bien fait. En going du côté d'Akia. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. En tout cas, l'ulti d'Arias qui va faire pas mal de dégâts. Qui permet de récupérer le kill. Du 2 pour 1 pour l'instant. C'est très compliqué. Les rouges qui prennent l'ascension. Les Dirty 12 Blazy là qui sont partis. Double kill. Récupéré également par Super. Voilà, il va going. Voilà, il va l'avoir. Voilà, il est mort. Il va essayer de choper. Mais là, on a la barrière. Et ça ne suffira pas. Et c'est un ace. Ace 2 récupéré. Ace. Par les super. Et finalement, Aclair qui a fait le café avec son Darius. Ouais, parce qu'il il est rentré dedans, il a mis ses coups avec Red Buff. Ce Red Buff, sa Sunfire, il était bien tanky. Donc, gros boulot de Darius. Quoi. Surtout que. Il est à son temps fort, maintenant à 26 minutes. Je pense que Darius, c'est vraiment au moment où il est très fort. Après, en late game, je pense que ça va être un peu. Vraiment, en very late game, c'est pas fou quoi. Mais en mid game, ouais, je trouve ça très fort aussi. Mais là, en plus, il a bien. Enfin, on a Kha'Zix, donc Jutikasa qui a go in pour essayer de voler le Drake. Il a pas réussi, donc il a claqué son flash, mais un peu trop tard. Il a ulti, il a temporisé, etc. Et il a pris trop de dégâts, donc Akira l'a suivi, il a ulti, il pouvait plus rien faire, quoi. Il s'est fait défoncer. Donc ouais. Là, il vient de subir quand même une grosse perte assez énorme. Ils sont en dynamite, ils doivent back aussi, ils ont plus beaucoup de c'est vie. C'est ça, et le peut être fait. Donc là, Akira qui est en train de back, mais ils ont posé des wards. Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose? Je ne sais pas, Meiko qui un petit peu dans la tourmente aussi, mais qui a toujours du farming depuis tout à l'heure. Il a bientôt son IE. Il va essayer de récupérer quelques creeps pour pouvoir aller la chercher. Et le baron qui va pas être envisagé et qui va pas être tenté, mais faudrait poser les wards. Est-ce qu'il l'avait timé aussi les autres? Comment? C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que les autres l'avaient timé le Nash? Le Nash, je ne sais pas. En tout cas, quand ils ont dû le voir, ils ont regardé où ils l'ont vu. Ouais. Ouais. Mais normalement, s'ils sont passés par le et Nash. Là, quasi, vous allez voir le Nash en mode curieux, mais il s'y attend même pas parce que le baron c'est en train de back là. Donc à la rigueur. Voilà, là, il l'a vu. En plus, le Kha'Zix. En train de montrer qu'il back devant le Nash. Je pense que c'est peut-être intentionnel là aussi. Hein. C'est-à-dire, genre pour leur montrer qu'il back, etc. Ils se disent s'ils vont faire le bar en Nash, on aura le temps de revenir et essayer de prendre le fight après. Mais bon, je pense pas qu'ils puissent le faire là très très rapidement maintenant. Ou alors ils sont vraiment chauds. Ah si, ils ont vu Meiko bot. Ils ont vu Meiko bot. Bot, voilà, qui a abandonné tout de suite ce qu'il faisait. Et qui va y aller, le baron qui était en train d'être fait de leur part, mais qui va tomber plutôt lentement parce qu'ils n'y sont pas tous. Et là ça risque d'être compliqué. Attention, le baron qui tend petit à petit. Peut-être avoir droit à un fight. La Krax a été vue, l'outil qui a été claqué beaucoup trop tard, qui va les aider plutôt à le faire. Et le baron qui va être récupéré une fois de plus par les rouges sans trop de problèmes. À 28 minutes de jeu. Oh là 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 là, l'outil de la luxe. Voilà, grosse erreur de Meiko qui s'est montré bot. Or qu'ils avaient très bien vu que le Nash avait repop. Et là maintenant, les bleus qui vont avoir très dur dans cette game. Ça devient de plus en plus dur pour eux. Comme quoi ils étaient en train de mener au début. La phase de lane, au début ils étaient vraiment devant. Et là ils donnent un free baron vraiment avec des erreurs totalement bêtes.
C'est-à-dire que le Meiko se monte bot lane et ils en profitent pour y aller tout de suite, ils font lentement. Ils auraient dû plus s'approcher, essayer de forcer peut-être un fight là-dessus tant qu'ils pouvaient. Le Baron étant le meilleur des alliés quand vous arrivez, puisqu'il fait vraiment beaucoup de dégâts à toutes les personnes qui sont autour. Et là, l'outil d'Alux pour tenter de KS à l'aveugle Arias qui est pas dans sa game. Il est niveau 15 pour niveau 18 à son vis-à-vis qui lui a mis 3 niveaux. Au niveau du farm, bon, il arrive à tenir, mais il a pas de kill quoi. Donc ouais. Arias qui a une petite soirée, j'ai l'impression aujourd'hui, qui n'est pas dans sa forme olympique habituelle. Voilà. Qui se met bien, là, il fait un 5-0-3. Ouais, 5-0-3. On voit le stuff de Varus et le stuff de Zvid. Il y a quand même une sorte de différence, quoi. Le mec est vraiment devant, quoi. Ouais, il y a 3 gros objets pour Zvid, c'est quand même pas mal. Ouais, donc. Ouais, niveau cooldown, ouais, il fait vraiment le Blue S, quoi. Là, il va faire BOTRK. BOTRK, ouais. Et ensuite, je pense qu'il fera très certainement la Swisper. Et sinon, ouais, il fera ça. GA. S'il a vraiment peur de se faire complètement imposer. Mais la Swisper peut être pris aussi pour avoir vraiment le boost stuff au complet. Et histoire de défoncer tout le monde, c'est pas impossible. Mais là, vraiment, je crois que l'équipe de Nero a plutôt bien joué, a plutôt bien pris le mid game. Le mid game. Parce que c'était pas évident en early et là ils ont su faire la différence sur Neocry qui se fait choper. Et Meiko il a pas d'escape, il va se faire découper, oh là là. Il se fait complètement avoir l'outil dans le tas de la part Lux, il fait 0 damage. Et les rouges qui sont bien devant. Et voilà, double kill de la part de Kroris. Et là je pense que c'est la fin de la game malheureusement pour eux. Ils ont très très bien joué, ils vont récupérer je pense les inhibiteurs. Et ça va être la fin de line-up, enfin les Never Out Spirit. Ils vont donc s'incliner face à leur adversaire. C'est ça, parce que là vraiment j'étais en mode bon ils vont vraiment avoir du mal quoi, ils vont jamais y arriver et si... Ils vont pas finir hein, mais bon ils vont se mettre bien. Ouais, je pense que ouais ils vont pas finir mais bon ils vont se mettre très très bien quoi. Là, ils vont prendre 2 inhibs en tout cas c'est sûr et certain. Jusqu'à ça qui essaie de défendre ton Ekmal. Ah je pense que là c'est quasiment impossible de revenir là 9-20. Il y a 10k gold d'écart entre les deux joueurs. Donc ouais. Ouais. Enfin, entre les deux équipes. Donc, oui, là, mesdames et messieurs, à mon avis, à part d'habiter à Super Sroland, Super Sro Pays, bah, je sais pas comment ils vont pouvoir tenir en face. Là, ils sont en train de back, ils vont peut-être essayer de les emmerder un petit peu. Ils ont pas de ward en fait dans leur propre jungle du côté des bleus. Donc, là, ils sont acculés dans leur propre base. 3 tours à 7, 31 minutes de jeu et 10k gold d'écart. Donc, ouais, c'est difficile. C'est moche hein, Darius. Oui mais bon voilà, le but c'est d'essayer de gagner, c'est pas de se dire si c'est beau ou si c'est pas beau. Et là pour l'instant ça se passe plutôt bien. On part sur un fantôme des sœurs du côté de notre ami Meiko qui s'est fait choper bêtement là quand même, qui était un peu trop avancé. Il a pris tous les CC, donc il a rien dit, il est mort de suite. Et puis c'est terminé pour lui. Mais Meiko qui fait pas une très bonne game. Hein. Ouais là pour le coup il est pas. Il a bien farmé mais il se fait rattraper à chaque fois. Je sais pas, le début il était bien agressif, il a loupé quelques trades et ça. Ouais, mais ils étaient agressifs, mais d'un côté ils ont pas tué. Hein. Ils ont pas tué Neron ni le support. C'est même le support qui a pris un kill sous la touffe quand il a fait se faire dive par le Thresh là et qu'il a mis la tornade, etc. C'est le support qui a pris le kill, quoi. Crax, c'est ça. Ouais, Crax Zol qui a pris le kill. Quoi. Ils vont se faire choper peut-être au mid, attention à pas se faire engage, non, ils vont pas y aller dessus. Mais là ils sont obligés de tenir tant mieux que pas. Ils ont toujours pas de ward, des wards de Summoner qui sont posés. Faut vraiment quand vous êtes plushé comme ça à ce point. Oula, tout ce cas ça il est taré hein, mais vraiment le mec c'est le plus taré de la terre entière. Voilà, qui va se faire ulti, qui va se faire défoncer et qui va tomber. Qui vient de niquer la game en 2 secondes. Alors là c'était dans l'ombre, il what jump the fuck. Enfin pour les vrais ah, c'est ouais, jump dans l'ombre sans vision. Pourquoi oh là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te jettes dans l'Everest alors que tu sais pas où sont tes adversaires? Enfin, c'est agressif d'Aclair qui passera pas. Ouais, alors là, il a niqué la game en 2 secondes. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ma foi, je vous ai dit, ils sont pas prêts de revenir là-dessus. Hein. Vraiment, moins d'un gros throw des familles. Ils sont tellement feed en face. Là, Arias, il est sur feed. Il a son Zonia. C'est impossible qu'il gagne. Vraiment impossible. Donc là attention, on s'entraîne le pusher un petit peu. Le grab de la part Summerzor qui va pas y aller. Voilà, Summerzor qui va tomber très rapidement sous les coups de Kroïs qui a récupéré la tour aussi. Et qui se balade la Summerzor depuis tout à l'heure. C'est la fin de la game, ils vont pouvoir terminer ici. Et on va donc avoir droit à une troisième et dernière game pour cette grande finale de cette 32e édition de la Biscup. Une fois de plus, ils arrivent à leur prendre une game comment ça s'appelle
Alors, avec qui La semaine passée, il n'avait pas pris de game. Non, ouais, mais Kroos, quand il avait déjà joué Ah contre oui. eux, il avait pris une game. Voilà, attention, c'est pas ça qui essaie de la rendre fou. Mais bon, ça ne sert à rien, malheureusement, c'est terminé là. La tour qui va tomber et le Nexus qui va tomber, c'est le GG well play. Et les Never Out Spirit qui s'incline donc face à leur adversaire. Il met tout à Kliar, mais ça ne suffira pas. Là-dessus, c'est la fin. Oh là là, le shutdown des familles. GG well play! GG! Grosse game. Ouais, en tout cas, dès le début, on n'y croyait pas trop. On s'est dit putain, ça va être tendu. Et au final, ils ont réussi ouais, ils sont bien à remporter la victoire. Le truc qui les a relancés, c'est vraiment le double kill de Kroos en mid. Ouais, Kroos qui a fait de bons moves sur la botlane, qui a beaucoup décalé, qui a permis de vraiment prendre l'avantage après. Et voilà, et puis ils ont tout simplement été meilleurs sur cette game. Donc on aura droit à la troisième et dernière game.